Hey, 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 cucu mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode de la place du marché. Aujourd'hui, on se retrouve avec de nouveau la maison. Je vais mettre sur pause. C'est toujours complicado. Et je vais mettre le mode tab. Je vais vous faire une petite visite de la maison puisque j'ai fait des petits aménagements sympathiques. Puisque vous savez qu'on avait gagné le droit d'acheter une pièce en plus que je n'avais pas aménagée. Donc, j'ai revu un peu l'organisation de la maison. Oui, et je n'ai pas encore acheté la pièce de la naissance de notre petit garçon, puisque nous avons eu un petit enfant la semaine dernière, un bébé est né, et c'est un petit drasique qui est arrivé. Donc, je vais vous montrer déjà la maison. Attention, ta-ta-ta-ta. Alors, nous avons une entrée. Ah, avant, c'était une sorte de salon. Bon, en fait, je sais vraiment pas quoi faire de cette pièce, donc... On va la laisser comme ça, histoire d'avoir une espèce d'entrée. On peut s'asseoir, il y a un super tapis, il y en a un super meuble. Ça fait un peu vieux comme style, mais moi j'aime bien, je trouve ça sympa. On va continuer. Donc ici, ça a un petit peu changé, mais ce n'est pas les plus gros changements. Nous sommes sur le palier, on va aller tout de suite dans la chambre de nos parents chéris. Donc il y a un peu de décoration qui est arrivée, il y a une plante verte, il y a un miroir que j'ai gagné avec la carrière de Miss Dita, et un petit vase qu'on a eu avec le mariage. Donc ils sont en train de dormir tranquillement, on va pas trop les déranger. Ici, on rentre, on est dans la salle de bain qui a changé également. On a fait l'acquisition d'une baignoire douche pour laver le petit bébé quand il sera bambinouche. Et puis pour le plaisir de prendre un bain. Avec nouveaux meubles de lavabo, nouveaux toilettes, nouveaux miroirs. Ben oui, on arrive à voir, commence à avoir un peu de la qualité. Donc on en profite. Ici, dans la cuisine, je vous montre, mais il n'y a vraiment pas grand-chose qui a changé, à part qu'on a un évier, ça y est, voilà, c'est la révolution. J'ai installé un petit coussin ici pour quand le petit Drasik sera bambin, et peut-être ses frères et sœurs plus tard, quand s'il vient chercher à manger, au lieu de traverser toute la moitié de la maison, il viendra manger ici. Ici, donc, c'est la chambre des parents. En face, nous avions le bureau, avec le bureau de Dita et les chevalets de Darion. Et bien, cette fois-ci, c'est la chambre des petits bébés nouches. Donc c'est la chambre du petit Drasik pour l'instant. Alors bien sûr, j'ai déjà vu, et il n'a pas grandi, hein, je vous rassure. Hein. Regardez-moi ce petit chouchou, il est en train de faire un beau dodo. Mais j'ai commencé déjà à lui mettre des petites choses pour quand il sera petit bambin. Donc il a déjà le ce truc-là. Des petites guirlandes, un chat peluche, le pot, des cubes de jouets et le lit pour faire dodo. Et je me suis dit que ce sera parfait pour en attendant qu'on débloque tout le reste et que chaque enfant ait sa place. Pour l'instant, on a ça. Et dans le fond, on a la nouvelle pièce qui s'est transformée, elle, maintenant, en bain salon. Donc j'ai toujours pas changé les papiers peints, on peut, mais j'ai juste pas envie de le faire maintenant. J'ai remis les meubles que vous aviez vus déjà dans l'ancienne... L'ancienne pièce d'entrée, une petite plante verte, une deuxième plante verte, un vase, et j'ai bien sûr mis les meubles, et on a une télévision et des chips qui puent. Voilà, voilà, il y a un joli rideau, et j'ai mis la toile du coup qu'elle avait fait ici dans le salon. Donc on a vraiment un beau petit salon à cet étage, c'est très joli. Ici, nous sommes donc au rez-de-chaussée, parce que normalement, on vit à l'étage, donc là, on est en dessous. Et au rez-de-chaussée, nous avons dans cette porte-là, le nouveau bureau de nos amoureux. Donc j'ai mis son bureau à la demoiselle ici, son tableau de muse de machin, les deux chevalets ici et surtout, attendez, je suis perdue, c'est ici, les photos, une partie des photos qu'elle a prises. Et puis bah, j'en ai mis du coup d'elle et de quand elle a demandé à Darion de faire la pause. Et quelques photos de Windenburg qu'elle a prises avec son appareil. Et puis une esquisse, je trouvais ça super mignon de faire comme ça, de faire comme une inspiration dessus de son bureau. Voilà, voilà, et encore au rez-de-chaussée, nous avons, attendez, c'est cette pièce-là. Nous avons une deuxième salle de bain. Du coup là, on est sur les mêmes meubles, sauf que là, j'ai pris une douche plutôt qu'une baignoire. Nous avons donc maintenant deux salles de bain. Et voilà, comme ça, c'est ce qu'on a pu débloquer pour l'instant. En ce qui concerne du coup la pièce à débloquer puisque nous avons eu un premier enfant, c'est cette pièce ici qui donc premier enfant plus 200 simflouz à dépenser et le couloir est forcément à débloquer avec, sinon on n'a pas
On ne peut pas avoir accès à cette pièce. Et c'est 200 simflos aussi. Donc je vais faire tout de suite le code monnaie de 3015 moins 400, c'est-à-dire 2615 simflos. Voilà, parfait. Je referme et je vais aller chercher les petites lampes pour prouver qu'on a bien acheté. Vous voyez, les lampes, je ne les ai pas forcément changées dans les pièces. Hein. On fait ça comme on peut, hein, tranquille. Donc, nous avons une pièce ici. Bah, quand il sera enfant, il pourra venir. Et tac, le couloir est débloqué. En mode vie, on va revenir et on va du coup débloquer cette porte au cas où les Sims auraient envie de venir et de se coller donc, contre la cheminée. Pourquoi pas? En tout cas, ce sera la future chambre de Drazik quand il aura grandi. Du coup, maintenant, vous pouvez admirer le plan d'ensemble de la maison qu'on a tout débloqué. Ah, et puis bien sûr, il y a de l'orage dehors. Tout débloqué au premier étage. On a accès partout. C'est cool, hein, ça va assez rapidement. Oh, 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 oh. Bah, en parlant de rapidement, promotion. Waouh. Alors, on a eu des sous. On a eu, je sais pas combien, de droits d'auteur. On était promue tacticienne du textile. Yes. Elle gagnera désormais 120 simflous de plus par heure. Oh, soit 220 simflous de l'heure au total. Mais c'est sérieux? Mais, oh my god, elle gagnait déjà plus de 1000 simflous par jour. Ah non, mais what the fuck, hein. Et on a reçu également en bonus 1521 simflous. D'accord, la journée de prochain travail, vendredi à 11h. Nous sommes vendredi, donc elle travaille dans une heure. Waouh! Eh ben c'est cool. Donc on est arrivé à quel niveau là? Niveau 7 de styliste. C'est trop bien. Et bien sûr, on va travailler depuis la maison. Et elle devra prendre des photos apparemment. Donc prendre des photos avec cette carrière là, je pense que les traductions ne sont pas forcément bonnes. Donc c'est soit elle prend des photos, soit elle doit faire des impressions photos, mais ça on verra tout à l'heure. Voilà, comme ça on peut voir un peu l'ensemble de la maison. Moi j'aime bien maintenant, c'est tout est dégagé, je peux jouer partout dans ce niveau-là. Hey, mais du coup je peux dégager aussi cette porte-là. Voilà, ah c'est bien ça, on aura deux entrées maintenant, ça c'est cool. Allez, un petit déj en amoureux. Comment ça, elle pue ta femme? Non mais dis donc, tu te prends pour qui? Bon, certes, c'est vrai. Elle pue, mais c'est pas très grave. Bon, quand est-ce que vous mettez le sim, vous mettez la possibilité de faire crac-crac dans la douche, tout en se lavant? Là, 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 quand même, ce serait cool, non? Dites les amoureux, là. Faudrait pas faire un petit bébé, les deux? Hein? Une petite sœur? Parce que tout le monde a envie que ce soit une petite sœur, donc faudrait que vous fassiez une petite sœur, les enfants. Allez, hop là! Deuxième bébé en route. Oui, je sais, il faut qu'elle travaille, vous inquiétez pas. Je n'ai pas oublié. La deuxième bébé en route. Peut-être pas! On sait pas si Darion, il est efficace ou pas. Hein, on va voir ça après. Bon, allez, Darion, toi, tu vas aller peindre paysage et toile réaliste à 100. Je viens de tester... Hein? Je vais pas débloquer, je suis sûre. Je suis sûre que c'est ça. Non, cette porte-là. Ouais, je vais avoir du mal si je débloque pas les portes. Mais bon, hein, il y en a toujours des petites erreurs. Alors, tu vas bien refaire ça. Étoile réaliste à 100, j'avais dit. Voilà. Dita, qu'est-ce que tu es en train de faire? On sait pas. Il faut que tu prennes des photos. Ça n'a pas marché. Tu vas faire des impressions photos. Donc, du coup, c'est avec ton téléphone. Impression photo. Je suis sûre que c'est ça. Qu'est-ce qu'elle va faire? Bah, écoutez... Et oui, c'était bien ça. Je suis la meilleure. 1, 2, 3 et 4. Ok, et ben après tu iras sur ton réseau social, mettre à jour ton réseau social et partager une photo. Voilà, voilà. On va voir si ça va t'aider dans ta carrière maintenant. Oh, il y a bébé Drazik. Drazik! Maman, elle arrive. Maman, elle arrive. Elle va venir se téléporter auprès de toi, mon petit. Attends, parce que là, elle est en train de partager une photo. Voilà, elle a gagné 20 abonnés. Allez, vite, maman. Vite, maman. Vite, maman. D'ailleurs, est-ce que tu as les petites flèches? Oui, ça y est, elle est enceinte. Bon, c'est cool.
On va essayer d'en refaire quelques-uns et puis après je lui ferai prendre son test de grossesse, évidemment. Mais avant, on va essayer de faire des jumeaux, mais j'y crois pas forcément. Il nous faut un concours de sexitude, les deux là. En plus, ils sont en petite tenue, il n'y a aucun des deux qui s'est habillé, mais franchement. Hein. Ah, faire crac-crac dans le buisson. Oh, et avec le temps qu'il fait, je suis pas sûre que t'aimes ça, coquine. Tu finis ta toile, Darion, dépêche-toi là. Hein. Faut que vous remettiez ça vite. Ah, mais j'ai mieux comme idée. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas l'inviter à un rencard plutôt. Parce que. Ouais. Parce qu'il faut que tu le fasses de toute façon dans ton aspiration. Donc on va faire un. Non, 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 on sort pas, les garçons. On a un enfant maintenant, on doit s'en occuper. Enfin, même s'il est très très calme et qu'il dort. Voilà. Vous faites quoi là? Propose-le en rencard? Allez. Voilà, le rencard est commencé. Bon, il faut flirter avec son rencard. Donc, ils vont flirter. Flirter! Oui. Alors, pour s'asseoir et parler à son rencard, va falloir remonter et venir. Oh, vous venez ici plutôt, carrément dans le lit là. S'asseoir et discuter, ici. Ça ira plus vite. Ah, tu dois aller aux toilettes, cocotte. Mais attends, ma chérie. Embrasse ton amoureux. Complimente l'apparence. Voilà, ça c'est du rencard. Bon, voilà, de toute façon, il fallait l'argent. Et on est déjà à l'argent, donc c'est cool. Tu vas faire un massage et tu vas faire un bébé avec Darion. Voilà. Est-ce que tu veux que notre rencard se termine sur... Ouais, carrément! Allez hop, un petit tour dans le lit. Et puis elle va se pisser dessus, je vous raconte pas. Mais après le crac-crac là, on valide la grossesse, sans vous inquiéter pas. Eh ben voilà, c'est une affaire qui roule. Allez, tu peux aller faire ton petit pipi test de grossesse. Lui, bah écoute, il va faire pipi et douche, hein. C'est tout aussi bien. Allez, va aller pisser. Ah non, mais tu vas pas aller pisser de l'autre côté. À la limite, tu viens pisser en bas, gars. Fais pas n'importe quoi, tu peux prendre ta douche là. Tiens, et puis tu vendras tes toiles. Voilà, pour nous faire un peu de rendement, mais. Oui! Elle est enceinte et nous le savions. Et ça lui fait des boobs majestueux tout de suite. Allez, tu vas pouvoir aller manger, ma belle. Non, franchement, ça va. Hein, Drazik, c'est pas du tout le gamin chiant. Vraiment. Donc, non, non, mais c'est. Oui, donc voilà, tout va bien. Maman va venir le voir. Il bronche jamais, ce gamin. C'est parfait. Voilà, maintenant, elle a ses. Sa musique super avec ses écouteurs directement sur les oreilles. Bon allez, va travailler un petit peu là. Bon, même si t'as fini tes tâches du jour, hein. Voilà, hein, c'est facile, hein. Mais c'est juste histoire de se faire sa notoriété, tout ça, son blog et tout le tralala, quoi. Ah, j'ai complètement oublié. On va terminer le rencard puisque on l'a fait. On a avancé, c'est pour voilà. Aïe 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 aïe, j'ai complètement oublié qu'il y avait le rencard qui était encore en cours. Oh, par contre, c'est vrai qu'il se fait tard, hein? Mais ils sont pas hyper crevés. Bah écoutez, hop, allez, une petite réunion. Une petite réunion, oh là là, il y en a qui sont bien fringués. On va se voir, on va voir. Qui se pointe à cette heure-ci? Ah bah, les garçons sont déjà en train de faire des pompes, c'est magnifique. Ah, voilà, il y a du monde qui arrive, mais venez les enfants, venez. Ils sont en train de faire des pompes sous la flotte et tout. Oh non, quand même. Arrête de bouger. Voilà. Venez à la maison, ce sera mieux. Ah bah non, bah. Ils préfèrent vraiment. Ah bah au moins ils mettent. Ils font corps avec le thème du groupe, hein, c'est-à-dire faire de la peinture ou du sport. Oh punaise! Oh la pauvre! Elle s'est pris la foudre! Oh non, ma belle, je suis désolée! Il fallait rester à l'intérieur, hein, c'est dangereux dehors! Oh punaise! Ils vont se choper des malheurs! Bon, vous voulez tous rester dehors là comme ça? Ok, bah ouais, apparemment, ouais. Je devrais peut-être enlever le truc de faire du sport, mais tu vas où toi? Mais non, mais.
Appelle-les, va aller sur le canapé tous ensemble. J'ai pas envie que tu te chopes la mort non plus, ma belle, parce que. Rentre à la maison, Dita! Pas possible. Elle va se prendre la foudre. Ah, ça y est, elle commence à être fatiguée. Bah oui, hein, cocotte, à aller aux quatre coins de la ville. Ok, tu dois pisser maintenant. T'es pas du tout relou. Viens aux toilettes. Ah, bah voilà, ils font tous des pompes ici maintenant. Et Darion, il est où? Mais non! Oh! Viens discuter. Ah, mais ils m'énervent à bout avec leurs pompes, on peut pas leur parler. C'est du grand n'importe quoi! Oh, c'est pas vrai! Lui aussi, il s'est pris la foudre! Oh mon dieu! Bon, avant de tous les tuer, allez, on va mettre fin à la réunion, c'est pas très grave. Oh là là, mon dieu, ça va être quelque chose. Allez, on dit pas au revoir, c'est pas grave. Vous allez vous coucher, les enfants, hein? Manger et puis dodo. Voilà. Oh, toi, tu meurs de faim aussi, Dita, mon dieu. Va manger avant. Voilà, va manger. Allez, un petit crac-crac pour la route. Histoire de mettre bien à profit cette grossesse. Mais bon, maintenant, les dés sont déjà peut-être jetés, je ne sais pas. Drazik a très faim! Ah zut! Ah bah vite, dépêchez-vous de faire pipi. Ah, à moins que Jamie Black ait envie. Bah en même temps, tu dois faire peur, mon gars. T'es tout noir. Bon, déjà, t'es noir déjà de base. Mais là, t'es encore plus noir que noir. Et tu lances des étincelles de temps en temps. Il n'y a rien de plus flippant, mon gars. Ma pauvre Dita, il est 6h30 du matin. Et tu travailles en plus le samedi. Oh l'horreur. Oh allez, ma belle, ça ira bien après avoir dormi un petit peu. Ça y est, c'est déjà l'heure pour travailler ou presque. 1750 simflouzes. Oh my god, c'est énorme. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Créer des croquis. Ah, bah ça va changer un petit peu ça. Ça c'est cool, on va pouvoir peut-être utiliser la tablette. Super, je suis contente. Ah meuf, tu manges aussi des raviolis chinois aux légumes dès le petit-déj. C'est normal que t'aies la gerbe, hein, ma cocotte. Parce qu'elle était là. Bah ouais, mais non, quoi. Ça va pas aller, hein. Ah! Voilà, hein. Alors, est-ce que tu veux. Alors, des croquis déjà, plus de choix. Impression croquis rapide. On va voir si c'est ça. On va voir ce qu'elle fait, du coup, avec sa tablette. Je la laisse à côté de son fils, comme ça elle s'en occupera si elle a besoin. Alors, c'est ça? Ça ressemble à un gribouillis, mademoiselle. Enfin, madame, excusez-moi, vous êtes mariée dorénavant. D'accord. Un bon gros gribouillis. Comme il se doit. Ouh! C'est vrai que j'ai oublié que je dois. Parce que je voulais regarder ici pour voir si ça validait ou pas. En tout cas, je pense que ça doit être ça quand même. Bon, alors ce n'est pas ça. Est-ce que tu peux te faire une toile abstraite, du coup, directement là-dessus? Créer des croquis. Réaliser des œuvres uniques sur un bloc à dessin. Ah! Comme dirait Denis Brognard. Ah, mais le bloc à dessin? Mais je sais pas, c'est là-dessus du coup le bloc à dessin? Bah je sais pas. On va bien voir ce qu'il advient, hein, parce que là, en tout cas, impression croquis, ce n'est pas ça, donc on verra bien. Ok, c'était donc ça, c'est faire une toile. Ah, par contre, elle me repose la tablette à chaque fois, t'es un peu chiante. Tu veux me refaire une toile surréaliste et une toile pop art? Ah, ça. Voilà. Ah! Comment ça? Non, t'as pas besoin d'aller aux toilettes, qu'est-ce que tu me racontes? Allez, travaille un petit peu, Dita, hein? Faut que tu mérites ta paye, parce que 1700 simflouzes par jour, beaucoup en rêve, hein. Regardez-moi les œuvres d'art que Dita a fait avec sa tablette. Elle a fait cette chose-là. Et le petit se met à se réveiller. Et cette chose-là, du coup, bah, en les encadrant, ça passe bien dans la chambre, je trouve, hein. Ça, c'était Darion qui l'avait fait. Donc, voilà. Bon, ça rentre bien. Merci Jamie pour Jamie Darion. Oh là là. Oh l'erreur. Merci Darion pour cet argent que tu nous donnes. C'était très sympathique. Voilà, je le remets à faire des toiles alors que madame est en train de se reposer. En même temps, elle n'a pas beaucoup dormi. Donc voilà, elle a fait son taf. Elle a reçu ses 1750 simflouzes. C'est énorme. Alors d'ailleurs, styliste au niveau 7. La carrière au niveau 7. Ça n'a aucune incidence pour l'instant. Carrière niveau 6, ça, on l'avait déjà débloqué. Carrière niveau 10 après. Donc, voilà.
Alors, on va faire pause et on va faire une récap des pièces qui restent encore à débloquer. Nous avons à l'étage cette pièce ici, qui sera avec le deuxième enfant que nous avons dans le bidou. Celle-ci sera avec le troisième enfant que nous ferons. Cette pièce-là, c'est le groupe de 8 avec 10 avantages de groupe. Donc, cette pièce sera débloquée. On n'en a que 7 sims dans notre groupe et un seul avantage, il me semble. Donc, il va falloir qu'on travaille là-dessus. Et au rez-de-chaussée, nous avons cette pièce ici qui demande une carrière de niveau 10. Cette grande pièce-là est une aspiration complétée seulement de Dita. Hein, ça ne concerne pas Darion. Bon, nous avons déjà débloqué ces trois pièces-là. Et cette pièce-ci, c'est une compétence au niveau 10 avec bien sûr des sous. Je ne vous dis pas à chaque fois, mais c'est la dernière pièce qu'il faudra là débloquer avec une compétence niveau 10. Sachant que j'ai déjà débloqué le jardin, mais j'en fais rien pour l'instant. Ah, on pourrait peut-être mettre un barbecue. Allez, on va en profiter. On va mettre un barbecue, vu qu'on est dans le mode achat. Un petit barbecue. Je les aime bien, ceux-là. Ils sont mignons. Hop, un petit barbecue ici. Et on va mettre un peu... des trucs de jardin, quoi, tranquillement. Oui, on va dire ça. C'est très bien. Tac, tac, tac. Et tac. Voilà. Histoire de dire qu'on a le jardin qui nous appartient. Voilà pour la petite récap des pièces qui restent à débloquer. Du coup, au niveau du groupe, donc on a... j'attendais de faire les économies pour acheter ça. Une capacité de 2, c'est un deuxième avantage à acheter. Il nous reste que 69 points, on ne peut pas aller loin. Mais on peut recruter un huitième Sims. Qui mettrons-nous? Tiens, bah lui, il me paraît pas mal, je crois que c'est un voisin. Puis alors, il fait partie de ceux qu'on connaît le plus, donc on va dire lui. Voilà, bon, il n'y aura eu que deux filles et combien? 1, 2, 3, 4, 5. 4 garçons! Ah non! 5 garçons, 3 filles. Bon, allez, voilà, c'est pas grave, c'est pour nous faire plaisir avec les yeux, quoi. Oh, il nous a fait un chef-d'œuvre, le petit Darion, là! 1465, oui, on voit une galerie. J'ai hâte de commencer une réunion de groupe, puisque de toute façon, il faut faire voilà, tout ce qu'il faut pour gagner des points. Donc on va essayer de discuter, de faire du sport, de pêcher et compagnie pour gagner des points. Ouais, déjà ça a déjà commencé, on a déjà 5 points. Parce qu'ils n'arrêtent pas de faire des pompes, nos Sims, des abdos et des pompes. C'est magnifique, voilà. Ouais, on dirait que tu l'as embrassée sur la bouche, Darion, là. Fais gaffe, hein. Je sais qu'elle est belle quand même, mais bon, pas déconner, hein. Ouh là 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 là, le bidou, il a sauté, Alors, attendez, c'est ici, nouveau bébé, nanana. Dans 24 heures, ok, donc ça sera vers 20h30, apparemment, pour peut-être un accouchement, tout ça. Je crois qu'elle avait pas dit encore qu'elle allait à Nubu. Elle l'a même pas dit à Darion, il me semble, hein, donc... Bon, c'est pas grave, on va le partager à tout le monde, hein, c'est... Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Quoi? Nubu? Mais tu me l'as pas dit! Tu le dis aux voisins et aux copains, copines avant de me le dire à moi! C'est exact. C'est pas cool! Oh, c'est trop mignon! Tu vas faire toucher ton bidon! C'est trop cool! Attendez, je me mets en place, hein. C'est quand même. C'est trop mignon! Oups! Il y a petit Bou qui est en train de pleurer. Aïe, 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 maman. Non, mais va-t'en, toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu changes la couche. C'est pas ça qu'il voulait. Lui, il voulait manger le petit... Ah, sinon, c'était la couche. Oh, bah, écoute. Finalement, t'es pas si nul que ça, Darion. C'est bien. Tu es un bon petit papa. On a gagné un peu de points, Cocotte. Ouais, va aux toilettes, parce que je sens que là, tu vas exploser. Tu vas manger, puis après vous allez vous coucher. Il est tôt encore, mais... Bah lui, va déjà maintenant se coucher, mais... En même temps, on pourrait laisser les autres potes faire leurs courses, leurs abdos, leurs pompes, tout ça, et nous faire gagner des points. On va peut-être faire ça, on va les laisser faire leur life. Et puis moi, nous, on va aller se coucher après, tranquille. Darion, j'ai dit non. T'as d'autres choses à faire avant d'être couché, mon coco. Bon, allez. Et minuit, tu vas être couché, peut-être, Darion, hein. Pour que la prochaine journée soit pleine de rebondissements. Et puis, les copains, ils continuent à faire leur sport. Ah, mais c'est bien, on est à 200 points. C'est cool, vous êtes cool, les gens.
Bon, on va les faire un peu courir et puis. Ah bah attention, par contre, tout le monde dort chez moi. Bon, allez, c'est pas grave, on va mettre fin à la réunion. Voilà, 230 points de groupe, ça c'est cool et on a quand même bien avancé. Prochain épisode, nous aurons notre deuxième petit bébé. En tout cas, moi, c'est là que je vais vous laisser. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit com, un petit like, un petit abonnement. Allez, tu vas nous occuper! N'hésitez pas non plus à aller sur Utip, qui est dans le lien dans la description. Vous regardez une ou plusieurs publicités. Et ça me donne quelques petits centimes à chaque visionnage, n'est-ce pas? Et voilà, moi, ça m'aide à financer les prochains packs Sims et autres jeux. Et puis, en plus de ça, bah, c'est cool, quoi. Ça montre votre soutien. Puisque je pourrais remonétiser mes vidéos, mais je ne le fais pas. Pour l'instant, en tout cas, je ne le fais pas parce que je pense que ça ne m'apporterait pas grand-chose. Donc, s'il faut que je finance ma chaîne, je préfère passer par Utip. Allez, cette fois-ci, je vous laisse. Des gros bisous. À la semaine prochaine pour le reste de pour la suite de la place du marché ou d'autres choses. Allez, salut.